Hey! Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo 20 tours. On va faire le 20 tours du Volkswagen Caddy de Philippe que j'avais rencontré au mois de juillet à la rencontre de Johansson, la rencontre nomade. Donc la vidéo va pas durer très longtemps parce qu'on avait fait ça assez rapidement. Et de plus, Philippe voulait pas être trop filmé, alors vous allez le voir apparaître vite fait dans la vidéo. Et là c'est cool, on est au printemps enfin, ça fait plaisir d'avoir le soleil et tout. Alors c'est pour ça aujourd'hui j'en ai profité pour aller en forêt juste à côté de chez moi, prendre l'air. Parce que ça va pas durer, la pluie va revenir. De toute façon de la pluie il en faut hein, parce que cette année c'est vraiment sec. Alors pareil, j'ai toujours pas décidé où j'allais partir cette année. Parce que vu le prix de l'essence et pareil pour le Covid, je sais pas si vous nous remettez le pass sanitaire. Et puis je suis pas décidé encore, donc j'attends de voir. Et normalement, dans la vidéo, je vous avais dit que j'étais bloqué jusqu'au 15 avril. Finalement, je suis bloqué jusqu'au 21 avril. De toute manière, je compte repartir, mais je sais pas où. De toute façon, le principal, c'est de voyager. C'est pas la destination, comme on dit. Et de plus, Compostelle, je compte aussi continuer cette année. Alors, normalement, c'est prévu, je parte dernière semaine de mai. Et je compte aussi faire un petit road trip avant de continuer le chemin de Compostelle. Je pensais faire la Bourgogne autour de chez moi. Ce sera l'occasion de vous montrer. Sinon, ce serait que j'aille trop loin. Alors, peut-être petit road trip en Bourgogne. Donc, voilà pour les projets pour l'instant. Et sinon, je vous rappelle que j'ai fait les autocollants Kangouroul pour les 2 ans de la chaîne. Alors, si ça vous intéresse, c'est 2 € minimum. Ou sinon, c'est prix libre. Et vous pouvez me régler soit par virement ou PayPal. Et pour ça, vous me contactez soit par Facebook, Instagram ou par mail. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc, bon visionnage. Donc, je suis avec Philippe là et je vais vous présenter son Volkswagen Caddy. Donc on va faire une petite visite vite fait quoi. Donc c'est toi qui l'as aménagé. Oui. Alors t'as installé la petite vitre déjà là. La vitre. Ouais. La fameuse Mobicool. Ouais mais moi j'ai la même. Ah, ouais, ça marche très bien quoi. Ça marche très bien. J'ai un pied un peu provisoire parce qu'en fait de la voiture je m'en sers pour les olives. Je suis oliviculteur. Ah oui ok. Donc avec la visseuse des visseuses, j'enlève les cagettes, j'enlève le. Est-ce que tu fais des sorties occasionnelles quoi? Non, j'ai 6 mois à peu près. Oui, quand même dedans. Ah ouais, tu vis. Les olives, c'est que l'hiver. D'accord, ouais, tu vis quand même une bonne partie de l'année dedans. J'ai été nomade à l'année aussi. Avec un autre véhicule. Ah, super. Le point d'eau, la cuisinière. Ouais, je vais filmer ça par l'autre côté. Et là, j'ai un système de double batterie. Ah oui, avec coupleur séparateur. Non, avec un relais façon Westafia. C'est le même principe. Oui, c'est ça. Oui, que tu recharges en roulant. En roulant. Ça me suffit pour la Mobicool. Donc, t'en as qu'une en fait, c'est ça? Oui. Et elle fait quoi? Ça fait 100 ampères? Le final, 70. Mais tu roules pas mal quoi. Oui, je peux pas dépasser la valeur de la voiture. Moi aussi, je l'ai fait, moi pourtant. De 10%, je crois que tu peux dépasser. Moi, la mienne a fait 60, la batterie de la voiture. Ah ouais. Et j'ai 1110. Ah ouais, d'accord. Et ça fonctionne. Parce que sur les tutos que j'ai pris. Mais moi, on m'a dit que ça marcherait pas sur mon Kangoo 2013 et ça marche. Hein. Ouais. C'est pour ça, entre ce qu'on dit. Et là, je vais passer à la batterie de déchargement lente. Parce que ça, c'est une batterie normale. Oui, c'est pas une batterie au plomb, Carrefour. Hein. D'accord. Mais pour le moment, je suis autonome. Il arrive à être autonome. Oui, oui. En branchant 24 sur 24. Oui, oui. Ah, c'est fou. Quoi. Oui, oui. Donc, ici, t'as ta petite gazinière, petit évier avec une pompe, c'est ça? Évier avec une pompe, j'ai un système pour évacuer les eaux. Directement. Autrement, pour les petites trucs, je laisse le cas. Et puis, pareil, une douche avec une pompe. Une douche à ouais, ça baisse bien. En fait, c'est pas. Moi, je trouve ça simple mais propre. Simple mais propre. Ouais. C'est pas non plus à l'arrache. C'est pas à l'arrache. Je serai à l'année, je ferai pas pareil. Oui. Mais moi, je trouve ça déjà pas mal. Mais la voiture, j'en ai besoin pour mon boulot, quoi. Donc, avec la visseuse et visseuse. Ouais, faut que ça soit rapide. J'ai tout viré. Oui, mais moi, c'est pareil. Mon lit, je l'enlève. J'ai 2-3 vis au sol, terminé, quoi. J'avais un aménagement dans ce sens. Ça c'était dans ce sens, donc ça me bouchait les portes arrière. Ah oui, avec le lit fixe. Bon, les parois du lit, c'était assorti à ça, mais c'est le lit coffre dessous, avec le sommier. Ouais. Et là, toi, c'est un rallongé que t'as là? Oui, ça c'est un. Ouais, voilà. Ouais. Parce que je vois que tu tiens dans mon cœur, quoi.
Ils sont super durs à trouver, super chers, bien sûr. Oui, mais c'est comme moi, j'ai un Kangoo Maxi, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, quoi. Eh bien, je cherchais ça, je cherchais un Kangoo Maxi et je suis tombé sur un Volkswagen Maxi. Ok, bah c'est très bien aussi. Oui. Et puis, tu as fait une petite table qui se plie. Une petite table qui se plie, ça c'est une été de plaquiste que j'ai coupé. Ah, pas con. C'est vrai, pas con. 15 balles. Puis l'isolation, c'est quoi là, voix, t'as pas non, ça vraiment... c'est pas une isolation. C'est pour cacher quoi. Occultant, voilà. Ouais. Occultant, pour la lumière. Ouais. Elle, la voiture, elle est isolée, laine de roche. Ouais. Dans tous les montants, j'ai coulé des billes de polystyrène. Ah oui. Plein. Ah, pas con, ouais. Dans les bas de la carrosserie. Ici, c'est plein de polystyrène. Ah ouais, j'ai pas pensé, parce que moi j'ai mis de la mousse expansif. Hein. Oui, j'ai pensé à ça. Ouais, mais c'est pas mal les billes, parce que bon, ça filtre partout. Quoi. Ouais. Mais je tombe sur un sac comme ça de boules polystyrène, tu sais. Un truc énorme. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, Ahmed, ça doit être galère. Hein. Ok, et puis autrement, bah, l'isolation, t'as l'isolation là, non, en dessous? Si, j'ai dessous, il y a une plaque marine. Ouais. Et sous la plaque marine, il y a du polystyrène. Ah oui, ok, très bien. Ouais, bah, c'est pas trop mal isolé, quoi. Oui, non, j'ai fait le Vercors, j'ai fait les Pyrénées, je suis allé dans le froid quand même. Puis c'est bien, un petit espace, ça se réchauffe assez vite. Oui. Ben, la tactique, moi, le matin, c'est que je prépare la casserole, je suis dans le duvet et j'appuie sur le piezo, tu sais. Ah, du duvet, ouais. Pour faire le café. Et puis, tant que ça se réchauffe, après tu sors du duvet, quoi. Après, je sors du duvet. Ouais, bah, pas con. Dans la nuit, j'ai pas froid parce que, bon, dessous, j'ai un duvet -15, si vraiment il fait froid. Donc, toi, t'es très content. La taille du véhicule, ça suffit. À un point que l'année dernière, j'ai pris un camping-car, je suis tombé sur un bon coup de camping-car, j'avais jamais crapahuté un camping-car, j'ai toujours crapahuté avec des véhicules utilitaires. J'ai fait une saison avec un camping-car, j'ai repris la voiture. Et pourquoi? Le gabarit. Ah ouais. Tu peux moins bien te poser dans les coins, les barres de. C'est ça, il y en a de plus en plus. Voilà. Ça devient de plus en plus galère. À un point que j'ai repris la voiture. Ok. Voilà, c'est vrai que t'as le confort avec le camping-car, mais ça avec j'ai ça... J'ai pas la même liberté. Ouais, c'est ça. Avec elle, si je suis pas posé, à 5-6 heures du soir, je m'en fous. Il faut que je dors dans un village ou dans une zone industrielle. Ou... Puis si t'es comme moi, t'aimes bouger, quoi. Ouais, faut que ça faut, ouais. Une nuit, je reste. Eh ben voilà, bah, c'est pour ça que... Une nuit. Après. Ouais, bah je suis comme toi, c'est pour ça que c'est l'idéal, quoi. Ouais. Eh ben c'est top. Hein. Ouais. Bon bah voilà, bah, je te remercie pour la présentation. Ben, je m'abonnerai parce que je connais ta vidéo, mais ta chaîne, même si je suis jamais abonné. Oui, bah c'est sympa. Bah... C'est-à-dire dans les propositions, des suggestions. Ouais. Oui, il m'envoie pas beaucoup de tes vidéos. D'accord. Je te remercie. Donc on arrive à la fin de cette petite vidéo van tour. Alors si Philippe, tu vois la vidéo, bah, je te salue. D'ailleurs, bah, je sais que tu es abonné à la chaîne. Donc voilà, je tiens aussi à vous rappeler que le 8 avril, bah, ça fera 2 ans que j'avais publié ma première vidéo. Et à cette occasion, avec Sébastien, on va vous faire un petit live aux alentours du 8. Alors, c'est pas ce week-end-là, mais ça sera le week-end prochain. Alors, si la vidéo t'a plu, mets-moi un pouce, un commentaire, parce que c'est très important pour moi. Ça me fait d'abord plaisir et ça m'encourage à continuer. Et bah, ça aide à faire fonctionner la chaîne. Et bah, quand on fait quelque chose, on aime bien que ça marche un minimum. Donc bah, je compte sur toi. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de mettre du Kangoo dans ta vie.